Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Stronghold HD avec une nouvelle mission de prise de fort. Alors, comme ça m'intéresse un peu moins, franchement, je trouve ça beaucoup moins drôle. Je l'ai passé en normal, comme ça sera plus rapide. Et puis, j'avoue que j'ai un peu du mal à le faire en très difficile. Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? Ça commence bien là. Un Alors, message du port. je vais commencer par diminuer la Décampe, petit vitesse. poulet, je vais te couper les Bon, là, par contre, ailes. Toujours prêt. on a ce qu'il faut en troupes. Enfin, on a ce qu'il faut, j'en sais rien d'ailleurs, mais on en a beaucoup. Plus vite que ça! C'est juste qu'il va falloir gérer tout ça. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'ennemis, hein. Faut se méfier. Ça va être compliqué. Alors, j'ai. Oui, je suis en vitesse très très lente. Marche rapide. Ah, là, il y a des instructions. Piquets qui arrivent, des hommes d'armes. Impossible de le viser, sire. Flèche prête. Je sais pas ce qu'ils viennent faire ici. En tout cas, ils vont avoir une durée de vie assez limitée. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, ce que je vais essayer de faire, a priori, on peut, j'ai vu, tirer. Ouais, continuer à sortir. En avant, marche! Ouais, je vais accélérer un peu la vitesse de jeu, sinon ça va pas le faire. Oui. Marchez, prêt à tirer. Mon arc est à votre service. Encochez les flèches. Attention. Recharge. Instruction. Recherche de cible. En position avant de tirer. Bah ça c'est bizarre quand même qu'ils sortent tous comme ça d'un coup. Après je vais pas me plaindre, moi ça me fera moins de difficultés, mais je suis quand même étonné, mais peu importe. Et ça j'avais jamais vu ça, bon. Et ils sont nombreux en plus, hein. C'est là qu'on voit toute la difficulté du jeu, c'est que... Ils sont très nombreux. Voilà, ils vont être moins nombreux tout d'un coup. Ok. Très étrange ce phénomène. Okay. Un message de Sir Longarm. Notre marche continue et nous avons reconquis un comté de plus. Je peux me mettre là, sur ce petit promontoire. Et tirer sur les Impossible de tirer. Je sais pas ce qu'ils font. Bon, pour l'instant, ça marche pas. Oh, pas de marche! Attendez! Oh merde. C'est comme s'il était mort! Je suis peut-être un peu trop près. Là. Marche rapide! Portez armes! Ils sont faits! Ah, j'ai l'impression que là, ça marche. Bon, qu'à moitié. Est-ce que je lui enlève de la vie? Ouais. Alors je sais pas pourquoi il y en a la moitié qui tire n'importe où. Ah, là il tire plus. Ah, parce qu'il est mort en fait. Recharge. Bon, il va falloir être patient sur ce coup-là. À la rigueur, il faudrait que je trouve un moyen de les rapprocher du mur. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que ça va être une mission assez longue, donc... Il faut que je sois patient. Parce que là, je suis en train de le tuer, mais tellement lentement. Là, je vois là sa vie. Là, je l'ai eu. Bravo, rang. Non, est-ce que je peux avoir celui-là? Impossible de tirer. Non, je peux pas l'avoir. Celui-là, peut-être? Attendez. Ouais. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait que la moitié qui tire. Plus vite que ça, sûr. Pourquoi il veut pas bouger? Portez arme. Prêt, sire. À vos rangs. Attention. En avant, marche. Il ne tire pas dessus là, c'est l'essentiel. Comme s'il était mort. Ah là, j'en ai beaucoup plus qui tirent, je crois. Ouais, j'en ai eu un. Ils sont faits. Si j'arrivais à vider les tours, ce serait bien.
2. Recharge. Ah, je peux tirer sur celui-là aussi. En fait, je peux peut-être tous les avoir. Bon, ce que je vais faire... Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais commencer. Où est ma pelle? C'est pour les rapprocher du mur, en fait, parce que j'ai l'impression que quand ils sont trop loin, c'est juste pas possible de les avoir. Plus vite que ça. C'est un peu le sacrifice humain, mais... Ah, et en plus, voilà. Alors ça, c'était la surprise du chef. L'avantage maintenant, c'est qu'ils sont tous au bord. Je crois que je vais pouvoir tous leur tirer dessus. Alors en clair, le château est entouré de... trucs incendiaires, là. C'est comme s'il était mort. Donc ça va être compliqué. Ouais, je l'ai eu. Ils sont faits. Par contre, j'ai l'impression qu'ils restent dans leur tour, ils vont pas d'une tour à l'autre. Donc quand j'aurai vidé ces deux tours-là, en clair, ce sera fini. Ah, c'est long, hein. Je peux accélérer le temps. Il n'y a pas de limite de temps, il me semble pas, donc... Ah. Recharge. Ok, bah, il va falloir être patient. Attendez. A priori, j'ai vu sur une vidéo, parce que là, j'ai essayé... C'est exactement la même mission qu'il y a deux ou trois épisodes. Donc en fait, c'est un petit peu barbant, je dois dire. Impossible de tirer. Merde, je peux pas tirer là-dessus. C'est comme s'il était mort. J'ai pas trop compris pourquoi refaire deux fois la même mission. Alors la première fois, le porc était pas là, donc on l'a pas pu le tuer. Cette fois, il est là. Et il a amélioré son château. Impossible de tirer. Impossible de tirer. Merde, on peut pas tirer. Impossible de tirer. Merde. Oh, pas de marche! Marche rapide! Impossible de tirer! Oh en putain, par contre, eux ils tirent. Oh, chaud, pas de marche! Impossible de tirer! Merde! Pourquoi ils peuvent pas. Marche rapide! Impossible de tirer! Ah, par contre, là, je... marche! Eux ils tirent. Oh, pas de marche! Est-ce que je peux faire pareil avec l'autre colline par exemple? Ah, se bon. Retire! Ça, par contre, je sais pas. Bon, en tout cas, on a vidé l'aile gauche, l'aile droite, ça dépend comment on regarde ça. Marche rapide! En avant, marche! Là, il tire pas, hein. Il ne tire pas dessus. Portée, arme! Je suis hors portée, a priori. On va se rapprocher. Précire. Impossible de tirer. Ah, ça marche pas. Oh, pas de marche. On nous tire pas dessus là? Non. Recharge. Ah, ça marche pas. Je sais pas ce que ça veut dire ça, mais s'il y en a un qui tire. Non, j'ai l'impression qu'il y en a zéro qui tire. Okay. Marche rapide. Impossible de tirer. Ah, ça marche pas. En avant, marche. Impossible de tirer. Oh, pas de marche. Impossible de tirer. Non, ça marche pas. Impossible de tirer. Ok. Bon bah tant pis. Je pensais qu'on pourrait peut-être faire pareil des deux côtés, mais non. Alors... Je crois qu'on va faire du sacrifice du Vous pouvez compter sur nous. Où allons-nous? Nous partons. Il faudrait que je m'occupe d'abord de tout ce qui est incendiaire, là. Et pour ça, vaut mieux que j'envoie des piquiers que des troupes un peu plus puissantes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les douves? Allons-y. Oh là, je sais pas si... On va être trempés. Dites-nous ce que nous devons faire.
Donc là, il y a de l'incendie. Ok. Donc ça, c'est une chose. Ce qui veut dire qu'il va falloir venir avec beaucoup plus de monde. Je sais même pas si ça suffira. Ah ! Oui, monseigneur ! En avant, marche ! C'est bête qu'il transfère pas ses hommes dans les tours, là. Ça m'aurait simplifié la vie. Vous pouvez compter sur nous ! Ok, 216 piquiers. Nous partons. Allons-y. Allez, c'est parti. Où est ma pelle ? Normalement, il va plus y avoir trop d'incendies, j'espère. Je suis peut-être optimiste. C'est un carnage. Il est là encore. Bon. Toujours prêt. Encore 119. C'est loin. Et c'est tout, c'est fini. Ok. Quoi ? Donc je vais commencer à employer. Quoi ? Si loin ? Des comment ça s'appelle ? Des hommes d'armes, c'est ça ? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, 119 piquets. Oui, monseigneur. Oui, patron. Bougez-vous, canaille. Alors, les hommes d'armes, évidemment, tank beaucoup mieux, ça, y a pas de souci. Dites-nous ce que nous devons faire. C'est à quelle profondeur ? Ah ? Les douves ? Allez. J'espère que ça sera mieux cette fois. Parce que là, ils vont vraiment réussir à faire quelque chose. Vous pouvez compter sur nous. Nous partons. Je sais pas combien vont survivre. Où allons-nous ? Pas beaucoup. Allons-y. Oui, monseigneur. Okay, quelques survivants. Beffroi prêt, sire. Déplacement du beffroi. Alors, le beffroi. Je serais tenté de dire que je sais pas comment ça marche. Hein ? Beffroi prêt, sire. Est-ce que j'ai... Bon, déjà tout ça, je vais finir par le ramener. Ça peut servir. Nous sommes spécialistes de la massue. Quoi ? Si loin ? Ok. Je sais pas comment marchent les beffrois, j'avoue. Beffroi prêt, quoi vous avez sire. Besoin ? Beffroi prêt, sire. Alors, en plus, je sais pas combien de points de vie ça a. Et quelle est la... sa résistance, quoi. Beffroi prêt, sire. Je pense qu'il faut que je colle là, par exemple. Allez, c'est parti. Ça va vite, hein. C'est l'avantage. Oh, pardon. Vous avez besoin de muscles, quoi ? Oui, patron. Allez, c'est parti. Beffroi prêt. Ça a l'air de bien t'enlever. Je vais diminuer la vitesse parce que il va falloir être réactif sur ce coup-là. Allez, c'est parti. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. On y va. Nous sommes spécialistes de la massue. Vous avez besoin de muscles. Bougez-vous, canaille. Nous sommes spécialistes. Quoi vous avez besoin? Il y a beaucoup de muscles. Ils sont faits. Alors, ce que je vais faire, tout ça, je vais tirer loin. Allez, allez. Et oui. Tout ça, je crois que je vais mettre là. Oula, pardon. C'est loin. Hein? Nous sommes spécialistes de la massue. On y va. Il y avait besoin de muscles. Encore à tuer. Quoi? Bougez-vous, canaille.
Oui, patron. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Mon arc est à votre service. Mouvement. Eux, ils vont là. Pareil pour eux. Ah oui, il y avait du monde aussi ici. Mon bélier, il bélier va s'attaquer. Prêt, mon préparation. Ah, tous mes archers sont déjà morts. C'est pas très encourageant. C'est pas grave. L'important c'est que j'ai allumé tous les feux là, donc ça va être plus facile la prochaine fois. Plus vite que ça. Ils vont. Hop, pas de marche. Alors il me reste quoi? Cool, c'est le spécialiste la massue. Il me reste tout ça. Vous avez besoin de muscles. Quoi? Oui, patron. Hein? Nous sommes spécialistes. Dans l'idéal, il faudrait que je fasse passer mon deuxième beffroi. Bélier, préparation, seigneur. Ça, faudrait que je détruise le corps de garde là. Je pense qu'il va être pas mal à l'abri. Il a des catapultes, le salaud. Bélier prêt, monseigneur. Là, je pense qu'il est à l'abri, en fait. D'ailleurs, ils vont peut-être même pas essayer de taper dessus. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ok. Bon, bah, une fois que ce sera fait, je lancerai mon nouveau beffroi, là. Alors, ils appellent ça un beffroi, eux. Quoi vous avez besoin? Enfin, d'ailleurs, ils appellent pas ça toujours un beffroi, c'est tour de siège, ouais. Ouais, je sais pas trop. Alors, je pense que je vais lancer mon beffroi sur le côté. Bélier prêt. Il va falloir que je cache. Il va falloir que je le cache parce que là, je pense qu'ils vont tirer dessus. Déplacement voilà. Du bélier. Dès qu'il le voit. Déplacement du bélier. Je vais le cacher. Bon. Alors c'est un peu dommage que j'ai perdu tous mes archers. Bélier prêt, monseigneur. C'est un petit regret, mais bon, tant pis. Bon bah, je pense que. Vous avez besoin de muscles. Je peux y aller. Faut qu'il se colle là. Pourquoi il avance pas? Quoi? Ah merde, oui, non, j'ai pas cliqué sur le bon. Hein? Nous sommes spécialistes de la massue. Je vais le faire aller là. Je vais pas me contenter de faire ça. Bien sûr. Je vais mettre toutes les échelles de l'autre côté. Au mur. Bélier. Et je vais prêt, lancer le bélier. Monseigneur. Préparation. Quoi, vous avez besoin de muscles? Quoi? Oui, patron. Hein? Nous sommes spécialistes de la massue. Un message du porc. Le porc est pas comme ça. Ça fait que le porc a des problèmes. Quoi, vous avez besoin de muscles? Quoi? Ouais, c'est pas. J'ai diminué la vitesse parce que sinon, je vais louper des choses. Oui, bah, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Nous sommes spécialistes de la massue. Je vais ramener mes arbalétriers. Quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de muscles? Et j'en cuis. J'arrive pas à lui cliquer dessus à celui-là par contre, c'est un problème. Bon, c'est pas grave. Toujours prêt. Oui, patron. Par contre, faut pas quand même que je joue. Et j'en cuis. Nous sommes spécialistes. Il veut pas comprendre ce qu'il a. Quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de muscles? Et j'en cuis. Quoi? Oui, patron. Hein? Ah, c'est un peu le bazar. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ce que j'aimerais surtout, c'est que mes arbalétriers là arrivent ici, vivants. Nous sommes spécialistes. Quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de muscles en cuir. Quoi? Écrasez les gars. Oui, patron. Ah, j'avoue qu'en mode normal. On a beaucoup de troupes, hein. Nous sommes spécialistes de la massue.
C'est un peu la surpopulation des hommes d'armes là. Quoi ? Bougez-vous, canaille ! Je vais accélérer un peu le jeu. Oui, patron. Hein ? Écrasez les gars ! Vous sommes spécialistes à ma suite, mais vous avez besoin. Vous avez besoin de muscles. Ah, je pense que c'était gagné. Voilà, j'ai placé mes arbalétriers. Bon, j'avoue que peut-être que cette mission est faisablement difficile. Quand je vois le nombre d'hommes que j'ai réussi à sauver. Quoi vous avez besoin? Peut-être que cette mission est réalisable en difficile, mais bon. Je trouve ça beaucoup moins drôle de prendre les châteaux que de les construire. Mais ça doit être faisable. Un message du port. Non, le port ne meurt pas. Non. J'ai sauvé 206 hommes d'armes. 206, non, beaucoup plus de 206 quoi, en fait. Si loin. Oui, patron. 280. Non, ça reste à voir. Bon, une belle victoire. Enfin, je crois que c'est une victoire. Voilà, ouais. Mission suivante. Nous sommes victorieux. Après les pertes subies par le port, le loup est le seul obstacle à votre victoire. Peu après la bataille, vous recevez un message vous indiquant que Sir Longarm et le roi ont conquis un comté de plus, resserrant l'étau autour du loup. C'est parti. A priori, il n'y a plus que le loup, hein. Ouais. 19e mission. Peut-être la dernière, j'espère pas. Le loup est parti rassembler ses forces. Pendant ce temps, certains des comtés nouvellement conquis commencent à se révolter. Que le diable vous emporte, vous et votre roi. Vous avez peut-être tué les autres, mais vous allez maintenant devoir apprendre à vous battre. La guerre tourne en notre faveur, mais prenez garde. Le loup n'a rien de commun avec les animaux qui ont croisé votre chemin jusqu'ici. Je vous envoie mon meilleur apothicaire. J'ai comme l'impression qu'il pourra vous être utile. Attrapez le loup en fortifiant le fort défensif construit à la limite de son territoire, puis en laissant ses hommes venir à vous. Il est probable qu'ils essaieront de transmettre une maladie à votre peuple. Assurez-vous donc d'avoir mis un plan d'urgence sur pied avant leur arrivée. Sachez tirer pleinement profit des fines lames et des mangonneaux. Ok, donc je repasse en difficile. Plusieurs choses. L'apothicaire, donc ça doit être pour soigner ses habitants. Le mangonneau, donc c'est les catapultes au sommet des tours. Donc il doit falloir des forgerons. Et les spadassins, c'est un peu l'unité, l'avant-dernière unité, je pense. Il va me falloir des épées et des armures. Rien de spécial sinon. Je vais mettre le jeu en pause. Voilà la carte. Toute petite carte. Ah oui, c'est très petit. Non, c'est une blague. Non, c'est vraiment si petit que ça. D'accord. Bon. Alors là, ça va poser problème. Je pense que je vais agrandir mon château, enfin, si j'ai le temps. Ah non, mais j'ai même pas de pierre en fait. J'ai rien. Ah si, j'ai de la pierre, pardon. J'ai de la pierre, j'ai du métal, donc tout va bien. Si je passe comme ça, on doit pas pouvoir passer. Bon, bah, je vais peut-être construire un autre mur ici, si on m'en donne le temps. Ouais, je pense que j'ai beaucoup de pierre. 195 de pierre, d'accord. Je récupère les grands corps de pierre, donc ça c'est bien. Donc je vais pouvoir faire des mangenots, d'accord. Bon bah on verra ça, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.